Les gars, vous faites quoi là, je peux savoir? Pierre, t'es en train de souder des longerons pour une bagnole ou? Ouais, c'est ça, c'est. Alors, c'est des longerons qui pourront jamais pourrir parce que l'eau, elle restera jamais dedans comme c'est tout percé. Et puis, c'est surtout. C'est intelligent, hein. Châssis sport. Bon, donc on vous explique, là on est en train de faire notre chariot pour mettre les voitures sur la mezzanine. Donc on avait un vieux rack industriel qu'on va transformer en chariot, du coup. Chariot. Voilà, avec des roues en fonte, comme ça les roues ne pèteront pas. Qui permettra de monter les voitures sur une belle étagère. Sur une belle étagère qui est déjà faite, mais apparemment il faut faire une modification sur l'étagère parce que le mec qui est de l'autre côté du téléphone aurait pris des mauvaises cotes. C'est la NASA qui nous a fait les calculs. Ouais. Un ingénieur de la NASA. Le super calculateur qui a et mesuré la hauteur n'a pas pris en compte. Le super calculateur, c'est chier dessus. Pouces centimètres qui a pété. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a un problème. J'ai oublié qu'il y avait Mars qui passait à ce moment-là. Donc là, Pierre est en train de nous faire quand même des soudures de qualité. Des qualitates. Exceptionnelles non plus, mais. On regardera la dernière. Sur de la scie galvanisée. Oui, nettoyée avec la bite et le couteau. Tu veux pas des vrais gants de soudeur? T'en as? Oui. Ça va tenir, tu crois? Vous êtes fier de vous, Pierre? Je sais pas. Même une machine, elle en fait pas des cigognes. Félicitations. Pour un petit pays comme ici, c'est grave. T'imagines, t'aurais ouvert les yeux? Regarde, même pénétration jusqu'au bout. Tu l'aurais fait avec les yeux ouverts, c'était bon. Pourquoi tes yeux ouverts? J'ai pas compris. Tu veux pénétrer qui? Et vous voyez, la doctrine NRC, c'est Monsieur Plus Plus. Là, on voit que ça pénètre, mais on va refaire un cordon par l'intérieur. Ce serait pas un peu Monsieur Tatillon, toi? Ah, si, je crois, ouais. Dit quelque chose. C'est bizarre, ton autocollant que t'as sur ta veste, là, c'est quoi? Je vois pas de quoi tu parles. T'as genre des IEG, toi? Et toi, c'est bizarre, c'est quoi, ton autocollant? Putain, c'est bizarre, ça. C'est l'énergie, ça. Bien sûr. Dans les plateformes hors shore. Là. Bien sûr, j'ai bien brossé avant de souder. Hein. Ah c'est, bah ouais, on va regarder. C'est nickel. Ah ouais. Voilà. C'est franchement gros. Pas mal, non? Je devrais tenir. Hein. C'est con que le mec au garage, il n'ait pas pris les bonnes cotes dès le début. Quoi. Nickel. On pourra mettre là, appuyer là, et puis après quand même. Là, ça rigole plus. Hein. Pierre, tu fais un lit à baldaquin, non? Ouais. Ouais, alors il peut souder là vraiment. Ouais, tu dis ça parce que t'es en colère. Alors. Je veux me passer les baguettes s'il te plaît. Les baguettes? Celle-là donc? Celle-là là. Regarde celle-ci là? Celle-là même. Bon là, alors, les cordons sont pas super beaux mais bon, ça devrait tenir. Eh, le mec qui a perdu sa femme, tu crois qu'il va venir la chercher là? Non, je pense pas, ouais. Ok. Ah, c'est possible. Tu crois? T'as perdu ta femme toi? D'ailleurs, il a parlé là, de croix de Saint-André pour tenir les angles. Fais gaffe, il y a Vincent qui va débarquer si tu le parles. Le mec qui a perdu sa femme, peut-être qu'il va venir la chercher là. Donc là, on commence à comprendre comment ça va se passer, quoi. Ce chariot qui va être à cette hauteur va récupérer les voitures qui sont là, et de là, tac, tac, tac. Oh, une SM revenue à sa place initiale. Oui, là, donc là, il y avait une erreur de manip, là. Donc on a tout rabaissé de 10 cm, et les voitures viendront ici, paf, là-haut. Voilà. J'espère que dans le live de ce soir, on va pouvoir montrer ça, parce que je sais pas quelle heure il est, mais nous sommes pas en avance. C'est un bon merdier quand même. Hein. Oh, Dieu. Oh, j'en ai plein le cul. Donc, il est 18h. 18h, le live c'est dans 3h. Heureusement qu'on a Pierre. Comment on pourrait dire ça? C'est Pierre dans l'agence touristique. C'est Mr. T. Comment c'est? Mr. T Barracuda. Voilà, il est là. Ah, c'est Barracuda. Putain, mais c'est une R16 qui est sous cette bâche là, non? Ici même? Ouais. Il y a des merdes dehors. Ah là, on en a enlevé un paquet de bagnoles, hein, parce que là, d'habitude, c'est toujours tout plein. Hein. Et là, il y en a au moins 10 dehors. Mon petit cœur va pas très bien. T'as bien vu la batterie là que t'as sous les yeux là? Une belle batterie. Normalement, c'est de la C6, elle arrive à peu près comme ça, là.
Et ben là, on va la démarrer, ça, c'est le T6. C'est ma première T6, Pierre. Ouais, le first one. Le véritable. Ah, ça fait bientôt 12 ans que je mets celle-là. Tout ce temps déjà. Ouais, tout ce temps déjà. À l'époque, à perte de vigne, il n'y avait que des 205. Ouais, ouais. C'est les vieux Peabody qui possèdent des chercher GTR. Avec ma 205 GTI, d'ailleurs, et mon frère. Toi, ouais. Là. Et là, si jamais il se passe quelque chose de mal. Donc, il y a une chance sur deux que ça saute. Elle roule pas souvent. Incroyable. Je ferme le coffre. Ah bah si tu veux. T'as le... Attends, ferme-le. C'est normal, il y a une durite dedans. Ouais, je la laisse la durite ou pas? T'as encore de la place, hein? Encore 30 cm! Ça va y aller. Encore? Pour le moment, c'est bon, je regarde. Stop! J'en mets tout ça, ça régénère. T'y croyais ou t'y croyais pas là? Bah, j'ai sorti l'autre jour donc ouais, mais c'est la cabine là, qui m'emmerde. Ouais. On va dire que c'est les voitures les plus petites que je mets là. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'elle rentre n'importe où celle-là. Mais pour... Elle a pas roulé de piquant celle-là? Dernier contrôle 2020. Ça fait 3 ans. Il y a fait un cordon au-dessus aussi. On est dans le brouillard un peu là, non? Qu'est-ce que vous faites, Pierre? Il y a fait un cordon au-dessus aussi ou pas? Putain, ça ne rigole pas. Non, ah bah là, c'est... Alors là, en fait, il y avait une poutre qui nous emmerdait là au-dessus. Là. Un espèce de rail là. Donc on l'a coupé et du coup, bah, on l'a mis là, au lieu de mettre du bois. Finalement, il n'y aura pas du tout de bois sur ce machin. Ouais, finalement. Donc là, on arrive à peu près à quelle heure? 2 heures de pouvoir mettre des voitures sur le truc là? Ouais, on n'est pas loin là. Là, on a déjà la structure qui est finie là. Il y a les renforts à faire, les croisillons là. Et puis après, on aura nos. Ça va aller vite les croisillons là. Ouais. Et la première, ça sera elle, The One. The First One. Parce que c'est celle qui a le mieux marché sur la chaîne, donc c'est la première qui ira dans l'espace. Vous voyez ce qui va se passer là. Un autre chariot, la partie basse qui est terminée. Il ne manque qu'à faire les renforts transversaux là pour le. Pour rigidifier la structure. Et là, on va essayer de mettre la GL. Pour voir les dimensions des renforts. Bon, les rampes sont passées au ras du châssis, ça recule le châssis, là, les roulettes roulent trop bien. Ouais, finalement. Bon alors on y croit là. Ouais, il y a encore les roulettes. On a un petit problème avec les roulettes qui pivotent trop. Bon, c'est l'heure de vérité, hein.
Et dessus, là. On va la faire réfléchir toute la nuit, non? Qu'est-ce qu'on pense? Ouais. Parce que là, du coup, elle pourrait plus. On va voir ce qu'elle en pense. Ouais, moi, je pense que c'est bon. C'est quoi? Je vais monter dedans et puis je vais tirer sur la main de Maya. Ouais. Parce que là, il n'y a pas de frein à main. Là, lesquels je vais dans le mur. Ouais, okay. C'est bon. Allez, posez dessus, là. Donc là, c'est le test. Hein. C'est une nuit comme ça. Et demain, bah, soit elle est par terre. Soit elle est debout. Elle ne sera pas par terre. Et tu sais quoi, je vais même pas ça le frein à main. On peut mettre des cales. Non, on met rien du tout. Et ça fait ouf, hein. Ouais, c'est sûr. Ouais. Là, c'est officiel, hein. Le pont ne tient plus du tout la voiture. Hein. Fier de vous? J'en ai marre. Là, je t'avoue que... Fier ou mort? Mort. Tant que ça se finisse. Un mot pour la fin, dodo. Retour demain.